وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le thème de ce soir c'est l'évocation d'Allah, l'évocation de Dieu, la meilleure de tes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab, récite ce qui t'est révélé du livre, wa aqim as-salat, et accomplis la prière, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, la prière préserve de la turpitude et du blâmable et de ce qui est blâmable, wa la dhikrullahi akbar, et le rappel de Dieu est certes ce qu'il y a de plus grand. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, et Dieu sait ce que vous faites. Donc wa la dhikrullahi akbar, et le rappel de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Et le rappel de Dieu est ce qu'il y a certes de plus grand. Le prophète a dit également dans un hadith, sabaq al-mufarridun, ou bien sabaq al-mufridun, al-mufridun, al-mufarridun, ont devancé les autres. Wa ma al-mufarridun, ya Rasulallah, qu'est-ce que al-mufarridun, ya Rasulallah, qal, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-dhakirun Allah kathiran wa al-dhakirat, ceux et celles qui mentionnent beaucoup Dieu. Ils ont devancé les autres par le fait qu'ils sont les gens qui, de façon constante, évoque le Créateur subhanahu wa ta'ala. Également, le dhikr, le fait d'évoquer souvent le Créateur, est une marque d'amour. Quand on aime quelqu'un, on s'en souvient, on aime son nom, on aime se rappeler son nom, on aime évoquer son nom, on aime penser à la personne qui est aimée. Et quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de bien plus important, de bien plus essentiel dans nos vies. Et donc, si quelqu'un veut mesurer le niveau de son amour vis-à-vis de son Créateur, eh bien qu'il s'interroge, quelle place occupe dans mon cœur la mention de Dieu, le fait d'évoquer Dieu, le fait de me souvenir de Dieu, le fait de prononcer son nom, de répéter ses noms et de m'adresser à lui. Tout cela, c'est en fait un révélateur de ce que notre cœur, ce que nos cœurs portent au niveau de cet amour. Un autre point qu'on peut mettre en évidence, c'est que tous les êtres humains recherchent la quiétude, recherchent le bonheur. Et en fait, ce bonheur, où est-ce qu'il réside? Et là, j'aimerais simplement vous rappeler qu'il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui possèdent argent, palaces, grandes marques de voitures, des accessoires de luxe, et avec tout ça, ils ne sont pas heureux. Pour une raison qui est très simple, c'est que le bonheur, il ne réside pas dans l'avoir, mais le bonheur, il réside plutôt dans l'être, dans ce que nous sommes intérieurement. Et il réside en un lieu, en un endroit, et c'est précisément le cœur qui est synonyme aussi de l'âme. Et là, j'aimerais simplement vous donner une sagesse de Ibn Arata, Ella Es-Sakandari, qui nous dit ceci, « Innama wasi'aka al-kawnu min haythu juthmaniyatuk, wa lam yasa'aka min haythu thubutu ruhaniyatik. » Ce qui signifie, c'est une très belle sagesse, qui signifie « Le monde ne peut te contenir que du point de vue de ta nature corporelle, mais il ne peut te contenir du point de vue de la réalité de ta nature spirituelle. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce monde qui nous entoure ne peut être l'habitacle que de notre corps. Pourquoi? Parce que il est de la même nature que le corps humain. Le corps humain, il est matériel. Nous avons des besoins matériels en nourriture, en eau, en boisson, en toutes choses, les choses de la vie qui nous entourent, l'espace dans lequel nous évoluons, tout ce qui fait partie de cette vie est matériel. Et notre corps peut y trouver un lieu où séjourner.
Mais ce monde matériel ne peut pas être le lieu où l'âme va se reposer, parce que l'âme n'est pas de même nature. L'âme, elle a une origine qui nous rattache au Créateur, subhanahu wa ta'ala, un lien avec le ciel, un lien avec le monde spirituel qui est bien au-delà de cet univers créé. Et donc, rien ne peut satisfaire cette âme, sinon le fait d'aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cette âme, ce cœur, il a été créé avec une propension à aimer l'absolu, à aimer celui qui dépasse toute la création, à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quand l'être humain rencontre Allah, eh bien qu'il va s'épanouir sur le plan spirituel. Autrement, ça ne peut pas être le cas. Donc je relis cette sagesse parce qu'elle est très intéressante. Il nous dit, le monde ne peut te contenir que du point de vue de ta nature corporelle, mais il ne peut te contenir du point de vue de la réalité de ta nature spirituelle. Donc tous les êtres humains recherchent le bonheur, tous les êtres humains tendent vers le bonheur, et la seule façon de l'obtenir en réalité, c'est de nous tourner vers Allah, d'adorer Allah et d'ouvrir notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est ce lien avec notre Créateur qui seul peut assouvir les besoins de notre âme. D'ailleurs, le Coran nous dit très clairement « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ». Donc, un autre point qu'on peut mettre en évidence également, c'est que pour nous qui sommes engagés dans la voie de l'islam, nous avons tous un souci, c'est celui de la réforme, d'aller dans le sens de revenir aux principes de l'islam et de faire en sorte que notre communauté vive selon ses principes. Le renouveau, ce que l'on appelle l'islah, c'est un terme qu'il est très difficile de traduire, le mot réforme lui-même ne correspond pas à cela, mais c'est l'idée de revenir à un état où la situation de la communauté va s'améliorer en retournant aux sources de l'islam. Et ce renouveau, eh bien, il s'accomplit d'abord au niveau de l'individu. Nous voulons l'individu musulman, puis la famille musulmane, puis la communauté musulmane. Et en fait, quand on réfléchit, l'individu musulman, lui, son éducation se fait à trois niveaux. Au niveau intellectuel, l'éducation de la raison, des savoirs qui sont rationnels. Au niveau du corps, l'éducation physique, l'islam nous montre qu'il faut prendre soin de son corps et qu'il faut aussi respecter l'hygiène de vie et puis faire attention à notre santé et donc éduquer aussi le corps dans le bon sens. Puis on a l'éducation du cœur, c'est certainement la chose la plus importante parce qu'au jour du jugement dernier, on présentera nos cœurs et si le cœur est purifié, on aura gagné. S'il est impur, il faudra qu'il soit purifié au feu de l'enfer, à moins que Dieu ne lui pardonne. Et donc le cœur, comment est-ce qu'on peut l'éduquer, le purifier? Justement par le dhikr. Et le dhikr, c'est le rappel que l'on va exercer, pratiquer par les formules que le prophète nous a enseignées, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut répéter le matin, le soir, à diverses occasions, par la lecture du Coran, par l'acquisition des savoirs, c'est aussi une forme de rappel, et aussi par les bonnes actions. À partir du moment où un être humain accomplit de bonnes actions, eh bien, dans ce qu'il entreprend, ce qu'il fait, lui le ramène à Allah, il le fait avec une intention sincère d'aller vers Allah, son cœur se purifie. Et c'est une forme aussi de rappel. Donc, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, d'agir pour le bien de la communauté, toute action de bienfaisance fait partie du dhikr en islam. Et ce dhikr, il a le sens du rappel et il s'oppose aussi à ennisyan. Donc on peut opposer le dhikr à ennisyan, c'est-à-dire l'oubli. Yadhkur, il se rappelle, yansa, il oublie. Mais on peut aussi opposer le dhikr à une autre notion qui est el-rafla. Et le mot rafla en arabe, il est difficile à traduire, c'est la négligence, l'inconscience, l'insouciance, le fait de ne pas être en fait conscient de la réalité des choses. Et le malheur des êtres humains, c'est qu'ils vivent dans la rafla pour beaucoup, ils vivent pour vivre, ils vivent pour les plaisirs matériels, pour le divertissement, pour les choses de la vie, ils sont préoccupés jour et nuit par cela, leur temps passe, ils perdent leur temps en vain dans tout ce qui est matériel, et n'ont pas compris que cette vie, c'est l'occasion, eh bien, de travailler en vue de l'au-delà, en vue de l'éternité. Le temps passe très vite,
La vie passe très vite. Et en fait, le capital de vie qui est le nôtre, il n'est pas là pour la vie elle-même. Il y a une partie que l'on doit consacrer à la vie. On n'oublie pas la vie matérielle. L'islam ne rejette pas tout ce qui relève de la vie matérielle dans le cadre de ce qui est licite. Mais ce n'est pas le plus important. Ce ne sont que des moyens. La finalité, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand on parle de la réforme de l'être humain, on doit commencer par corriger l'être humain. Et on ne peut pas corriger l'être humain si on ne corrige pas l'orientation de son cœur. Et l'orientation de son cœur, c'est de faire en sorte qu'il se tourne vers le Créateur, qu'il ait un lien avec le Créateur et qu'il vive pour le Créateur. À partir du moment où il comprend que l'essentiel, c'est ce lien, c'est la sincérité, c'est le fait d'apprendre à connaître son Créateur, sa vie prend tout son sens. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer la réforme de l'individu pour pouvoir aller toujours plus loin dans le sens aussi de la réforme de la communauté. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a comme un malaise par rapport à l'existence des uns et des autres, même ceux qui sont bien lotis, qui ont toutes sortes de moyens, quand ils ne sont pas rattachés à Dieu, eh bien ils éprouvent des formes de stress, d'angoisse, et rien ne peut venir, ne peut subvenir à cela, ne peut leur permettre de dépasser ces problèmes, si ce n'est le fait de comprendre qu'il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Je donne souvent cet exemple d'une panne de courant. Si maintenant nous avions une panne de courant ici au centre islamique, alors les appareils électriques ne fonctionnent pas, les néons s'éteignent et le micro non plus ne rend pas la voix. Si quelqu'un disait « il faut réparer le micro, il faut réparer les néons, il faut travailler à ce niveau-là », il se tromperait. La réalité, c'est qu'il faut rétablir le courant. Aujourd'hui, l'humanité va mal. Pourquoi ? Parce qu'elle a coupé le lien, le courant spirituel avec Dieu. Et puisque ce courant n'est plus là, tout va mal. Au niveau de l'individu qui est angoissé très souvent, qui ne sait pas pourquoi il vit tout simplement, au niveau des familles, ils se décomposent. Au niveau des communautés, c'est chacun pour soi. L'homme est devenu un loup pour l'homme. Et la seule chose qui importe, c'est de vivre sa vie. C'est de vivre sa vie, avoir son travail, avoir... Et puis une fois qu'on a tout ça, on s'enferme. Et puis on n'est pas heureux là-dedans, parce qu'on n'a pas été créé pour cela. On a été créé pour autre chose, quelque chose qui est beaucoup plus important, beaucoup plus noble que cela. C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur et de voir cette miséricorde qui se déverse sur nous jour et nuit. Et puis c'est de répandre autour de nous cet amour et de dire il y a autre chose à vivre avec la perspective de l'éternité qui attend les hommes. Et c'est cela le bonheur en fait. Donc il faut rétablir le courant. Et le courant c'est le dhikr. Précisément, ce thème que nous abordons ce soir, eh bien, il est tellement important, c'est l'essentiel même. À partir du moment où l'un d'entre nous est branché, si vous voulez, à cette réalité spirituelle, sa vie va se trouver complètement transformée. Vous avez également le fait que le lien, on en a parlé quand on a évoqué la prière, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Donc il y a un lien, l'islam est essentiellement un lien avec le Créateur qui va dans le sens de l'adoration, de l'adorateur à l'adoré et qui va dans le sens de l'imploration. Je demande à Allah de m'apporter son secours et tout cela c'est exactement aussi la définition du dhikr. On a vu mardi dernier un texte de Abd al-Qadir al-Jilani qui disait des choses extrêmement intéressantes. Il nous disait, il faut que tu te penches sur les fondations de ton action. Les fondations de ton action, ça doit être le monothéisme et ça doit être la sincérité. À partir du moment où tu es dans cette perspective, ce que tu vas construire va tenir. Mais si tu construis ton édifice sur des fondements qui sont différents de la sincérité et différents d'un monothéisme accompli, tôt ou tard, l'édifice va s'effondrer. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand je vais agir, lorsque je m'engage. Quel est le lien que j'ai avec Allah dans cela? Pour qui est-ce que je vais m'engager fondamentalement?
Et cela pour chacune de nos actions, comme par exemple le fait ce soir d'être là les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'on est là? Puis la deuxième chose qu'il disait, c'est que après cela, je dois être convaincu que je ne peux rien. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Allah. Moi, je ne peux rien en tant que créature. Et c'est exactement ce que dit l'islam. Là, on n'est pas dans des thèses, des idées de certaines personnes, de sortes de mystiques qui nous sortent des voies de l'islam. Non, c'est le fond même, c'est l'essence même de l'islam. Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. Moi, je dois être convaincu que je vais agir autant que faire se peut, mais qu'en réalité, je ne peux rien. Et autant j'aurai conscience du fait que je ne peux rien, autant je me tourne vers Allah, et cela n'est possible que par le dhikr, autant Allah m'apporte son soutien. Et quand quelqu'un se sait faible, et Dieu lui apporte le concours de sa force à lui, eh bien, c'est le début d'un travail qui va donner ses fruits de façon réelle, parce que cela est lié au Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, et ce que Dieu entreprend, personne ne peut le détruire. Il y a quelque temps, j'avais repris le texte de mon grand-père, le traité Al-Ma'thurat, les évocations et invocations traditionnelles. J'ai refait toute la traduction, et puis je me suis rendu compte, en traduisant cet ouvrage, en le présentant, que c'était l'essentiel du travail islamique qui nous était donné là. Parce qu'on parle de la pratique du dhikr le matin et le soir, on parle de notre lien avec le Coran, et tout cela va complètement réformer l'individu s'il s'attache à une pratique du dhikr qui soit authentique. Par exemple, on a ce qu'on appelle l'adhkar du matin et du soir. On a une wazifa qui peut être longue, qui prendrait un quart d'heure, 20 minutes, une qui est plus courte, on lit des versets du Coran, des invocations prophétiques qui sont en fait des traditions authentiques. Et quand on va répéter ces formules, eh bien on va le faire le matin et le soir. On peut prendre l'une des versions qui est courte, qui prend à peu près 10 minutes. Et en fait, quand on fait cette wazifa en lisant ces versets coraniques, qui sont des versets importants, qui nous permettent justement d'aller dans le sens du rappel, et quand on lit ces invocations, eh bien, on va pratiquer ainsi le dhikr le matin et le soir. Et quand on fait cela, certains parmi ceux à qui on encourage à le faire nous disent, par exemple, à certains moments de l'année, je ne peux pas le faire, ou bien je vais délaisser ça pour une raison ou pour une autre. Je vous donne un exemple. Tel étudiant nous dit, je suis en période d'examen. Donc cette partie du dhikr que je devrais lire le matin, je vais la laisser parce que là, il faut que je travaille vraiment, ou le soir, et ainsi de suite. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le sens réel des choses. Parce que si on comprend bien les choses, Allah nous dit dans le Coran, « Fadhkuruni adhkurkum ». Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Donc, si je me souviens d'Allah, si je vais vers Allah, Dieu se souvient de moi, dans quel sens? Dans le sens aussi qu'il vient constamment à mon aide. Autant je suis avec Dieu, autant Dieu est avec moi. Alors, un étudiant n'a pas pratiqué le dhikr. Il va en bibliothèque, il a une recherche à faire. Il va regarder dans les fichiers, les livres, et cela va lui prendre peut-être une heure et demie. Un autre étudiant qui a pratiqué le dhikr va se rendre en bibliothèque, et je vous assure que les livres qu'il cherche, la matière qu'il cherche, va lui tomber dans la main en quelques minutes. Parce que Dieu l'oriente. C'est une affaire d'intuition finalement. En toute chose, dans les études, mais aussi dans le travail, dans le commerce, dans les achats, dans les ventes, dans toutes les choses de la vie, on est conduit par l'intuition. Qu'est-ce qui me conduit quand je suis dans un magasin à acheter une chemise plutôt qu'une autre? Et cette chemise, elle va durer 10 ans, et l'autre, au bout d'un mois, il faudra la jeter. Qu'est-ce qui fait que je vais aller dans le bon sens? Lorsque je suis orienté par la lumière qui m'accompagne du fait du dhikr, tous les éléments de ma vie me sont facilités. Donc je gagne du temps en réalité. Je gagne des choses qui sont extrêmement concrètes au niveau matériel. Le dhikr, il va aussi dans ce sens. Il y a une autre fonction du dhikr, bien entendu, c'est qu'il me permet de voir mes péchés pardonnés. Quand je pratique le dhikr, eh bien cela va effacer le mal qui est en moi. J'ai déjà donné cet exemple de quelqu'un qui dit constamment « Astaghfirullah ».
Astaghfirullah, astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Quand vous réfléchissez à cette parole, astaghfirullah, elle signifie qu'on demande à Dieu de cacher nos péchés et il nous purifie. Et un cheikh donnait cet exemple d'un récipient dans lequel il y a une espèce de bouteille et il y a de l'eau à l'intérieur. Et il dit, chaque fois que je commets un péché, eh bien voilà ce qui se passe. Et il versait un liquide noir dans le récipient, dans l'eau, et cela ternissait la couleur de l'eau. Et chaque fois que je fais un péché, voilà ce qui se passe. Et le récipient finissait par être terne. Puis ensuite, il prenait une autre bouteille avec de l'eau limpide et il disait, chaque fois que je dis Astaghfirullah, il versait de l'eau dans ce même récipient. Astaghfirullah, et il continuait, Astaghfirullah, et l'eau commençait à s'éclaircir et les éléments impurs sortaient du récipient jusqu'à ce qu'elles redeviennent pures. Lorsque je pratique le dhikr, je dis subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, de façon continue. Et lorsque je le fais avec une conscience qui est éveillée, j'évacue, je sors de moi-même tout ce mal et le cœur redevient pur. Et donc c'est cela qu'il faut aussi envisager quand on pratique le dhikr. Et ça, c'est avantage aussi au niveau spirituel. Et puis bien entendu, il y a un gain qui est beaucoup plus considérable. C'est le gain de l'au-delà. Le prophète nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque quelqu'un dit « Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar », cela est meilleur que ce sur quoi le soleil se lève. Cet univers, ce monde créé, avec ses palais, avec ses richesses, avec ses trésors, avec son or, avec ses diamants, avec tous les biens que l'on peut imaginer, ne vaut pas le fait de dire une seule fois « Subhanallah, gloire à Dieu, alhamdulillah, louange à Dieu ». Wallah, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Wallahu akbar, et Dieu est plus grand. Je viens de les dire. Eh bien, je viens de dire quelque chose qui est plus estimable et plus important que l'univers que j'ai devant moi. Pourquoi? Parce que ces paroles ont une récompense qui est éternelle au paradis. Elles sont appelées dans le Coran al-baqiyat ou al-baqiyat al-salihat, c'est-à-dire les bonnes actions qui restent, al-baqiyat. Leur fruit, le résultat de ces paroles restera éternellement. Et ça, c'est un point qui est aussi important. Alors, je peux lire avec vous quelques hadiths. Et là, je vous renvoie pour ceux qui veulent approfondir ce point-là au livre remarquable de l'imam al-Nawawi, Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, des gens de bien. Il y a un premier hadith dans lequel le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ala ukhbiruka bi ahab il kalam ilallah » Le prophète s'adresse ici à Abi Dharr. « Inna ahab al kalam ilallah subhanallah wa bihamdi » C'est-à-dire que le prophète lui dit, la parole la plus aimée de Dieu consiste à dire « gloire et louange à Dieu » ou bien « gloire à Dieu et par sa louange ». Il n'existe pas de parole qui soit plus aimée que de dire « Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi ». Et le prophète nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, « Man qala subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah ». Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdi », un palmier lui est planté au paradis. Et dans un hadith, il nous est dit que le palmier, les arbres au paradis ont des troncs qui sont en or. Et la beauté de ces arbres, on ne peut pas les décrire. Et le fruit de ces arbres, on ne peut pas les décrire. On ne peut pas décrire la beauté et le goût de ces fruits. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui relève du paradis. On ne peut pas se le représenter nous-mêmes. Mais surtout, ce sont des arbres qui sont éternels. C'est pourquoi quand je dis « Subhanallah wa bihamdi », j'ai un arbre qui est planté pour moi. Et parmi nous, il en est qui, lorsqu'ils se retrouveront, Inch'Allah, au paradis, auront quelque chose de beaucoup plus vaste. Quelle différence y aura-t-il entre les uns et les autres? La pratique du dhikr. Cette pratique du dhikr que j'aurai dit jour et nuit fera que ce que je vais retrouver dans l'au-delà sera quelque chose d'absolument immense. Et puis, vous avez également, sur cette même invocation, Subhanallah wa bihamdi, le fait que notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui dit en une journée 100 fois « Subhanallah wa bihamdi » verra ses péchés pardonnés, quand bien même il serait aussi abondant
que l'écume de la mer. Zabadou al-Bahr. Les Zabad, ce sont ces bulles, cette écume que l'on voit à la surface de l'eau quand elle se déplace. Al-Bahr, nous disent les ulama, c'est la mer dans le sens des mers, de tous les océans. 70%, 70% de la surface du globe est constituée d'océans de mer. Et donc ça nous donne une idée de ce que nous dit le messager de Dieu. Quand bien même tes péchés seraient aussi abondants que l'écume qu'il y a à la surface de ces mers, si tu dis 100 fois par jour « Subhanallah wa bihamdi », tout cela est effacé. « Wa la dhikrullahi akbar » et le rappel est ce qu'il y a de plus grand. Il n'y a pas d'action qui soit plus grande que celle-ci. Donc si on réfléchit à cela, on se rappelle que de dire « Subhanallah wa bihamdi », ça prend 5 minutes, 6 minutes au plus. Donc moi je vous rends attentif que c'est ça le dhikr, c'est la conscience. Le contraire, comme on l'a dit, c'est l'inconscience. L'inconscience, c'est de vivre dans le temps de la vie et de ne pas profiter de ce temps, d'être là, voir le temps passer et de ne pas investir dans le bon sens, de ne pas comprendre que chaque jour, la nuit, le jour, l'alternance des nuits et des jours avec ces temps qui me sont donnés, c'est des moments à saisir. Le matin, après le fajr, le soir, lorsque j'ai un moment, pendant la journée, lorsque je le peux. Pendant la journée, lorsque je peux, et lorsque je me déplace, et je vais, je viens, lorsque je suis arrêté à un feu rouge, un chir disait, chaque fois que je suis en voiture, je m'arrête à un feu rouge, j'en profite pendant cette minute qui s'écoule là, pour dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il faut que cela soit en nous une habitude. Mais il faut aussi se rappeler d'une chose, il en est qui pratiquent le dhikr, en disant Subhanallah wa bihamdi, ensuite il y a et puis ils parlent comme ça, ils disent et ils n'écoutent, ils n'entendent pas ce qu'ils disent. Il faut bien dire les choses. Subhanallah wa bihamdi. Et quand je le dis, je me rappelle que Subhanallah signifie, on le traduit par gloire à Dieu, mais Subhanallah signifie en fait que tu considères que Dieu est exempt de toute imperfection, de toute chose qui relève de la création. Il est au-delà de toute imperfection. Tu dis Subhanallah. Il est pur de toute imperfection. C'est ça le sens de Subhanallah. Et quand tu dis « wa bihamdi », au fond de ton cœur, tu le loues. Donc tu remercies ton Créateur. Rendez-vous compte, on doit tout à Dieu. Hein, si l'un d'entre vous avait un problème au niveau de la vue et perdait un œil, et qu'il se rende chez un médecin qui traite son cas et lui rende la vue et son œil, il serait reconnaissant à ce médecin. Je trouverais que c'est un médecin extraordinaire, son cœur déborderait d'amour. Allah nous a donné deux yeux, oreilles, lèvres, langue, dents, les cils aussi. Les cils, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on se mouille le visage, quand il y a de la pluie, ça nous protège complètement au niveau de la vue. Ça écarte justement, ça permet de garder une vision des choses. Il y a le moindre détail dans ce que Dieu t'a donné a un sens qui signifie « c'est moi qui t'ai donné cela ». Donc on dit « Alhamdoulilah », on doit louer le Créateur de façon consciente. Il faut avoir des cœurs éveillés. Donc quand je vais dire « Subhanallah wa bihamdi », si je le dis comme cela et en même temps j'essaye de réveiller mon cœur dans le sens de ce lien que je dois avoir avec mon Créateur, eh bien c'est quelque chose qui est demandé pour les uns et pour les autres. Et puis vous avez un hadith qui vous dit encore ceci, qui vous dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous annoncerai-je la meilleure de vos actions, la plus pure au regard de votre souverain, celle qui vous élèvera davantage en degré et qui sera meilleure pour vous que de faire l'aumône de l'or et de l'argent, celle qui sera mieux pour vous que de rencontrer votre ennemi, et de le tuer ou d'être tué. Alors, il énumère quel genre d'action ici? Une action qui va nous élever en degré, qui est la meilleure de nos actions, la plus pure au regard d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celle qui va vraiment nous rapporter le plus que de donner en aumône mon or et mon argent, plus que d'aller dans le sens du combat. Et vous savez qu'en islam, quand on combat toujours pour une juste cause, pour défendre la justice et la vérité, comme c'est le principe de toute armée, dans n'importe quel état de droit, quand des soldats vont pour combattre, ils vont combattre, et quand ils font des actions héroïques, eh bien on va relever la chose, on va retenir que c'est quelque chose qui est positif. Donc un soldat,
ce principe de tout état de droit. Quand un soldat combat et tue, est tué, c'est quelque chose qui relève d'une action dont on relève le mérite. Bon. Or, même cela, même le fait de donner des aumônes, même le fait d'être tué, de tuer ou d'être tué, eh bien, la chose qui est plus importante que tout cela, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur dit, pose la question, bien sûr, ou bien oui, répondirent-ils, c'est-à-dire les compagnons. Alors le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dhikrullahi ta'ala, le rappel, l'évocation de Dieu. Il n'y a rien qui est plus grand que l'évocation de Dieu. Donc il faut aller dans ce sens. La vraie richesse, disait un proverbe, je crois, qui est africain, elle est dans le lien, elle n'est pas dans le bien. Et ce proverbe, on peut l'adapter à ce qui vient d'être dit ce soir, à savoir que le bien, quel qu'il soit, il va passer, il va finir. Ce n'est pas une vraie richesse. Même l'homme le plus riche finira par perdre ses biens. Donc il ne possède rien en réalité. Le temps qui passe nous dit que personne n'est riche. Le temps qui passe nous dit que tout être humain est pauvre par essence. Il n'est riche que de façon occasionnelle. Mais avec le temps qui passe, il va tout perdre. Celui-là seul qui est riche, El Rani, c'est Allah. Et c'est vers lui que nous allons. Nous allons vers l'éternité. Donc, la vraie richesse, ce n'est pas dans ces biens-là. La vraie richesse, elle est dans mon lien à l'éternel. À celui qui est riche vraiment, moi qui suis pauvre. Et dans ce lien, quand je pratique le dhikr, je vais récolter des récompenses qui sont éternelles. C'est ça la vraie richesse. Et je vais nourrir mon cœur de dhikr. Et je vais avoir un cœur qui est pur, qui est bon, qui est aimant, qui répand de la lumière. Si je suis cette voie-là. Et c'est cela la vraie richesse. Les vrais hommes qui sont riches, hommes dans le sens homme et femme, ce sont des gens qui, lorsque vous les croisez, sont emplis d'une forme d'amour, de miséricorde, parce qu'ils sont constamment avec Allah. Il n'y a personne qui peut être plus riche que quelqu'un qui est constamment avec Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que ça, celui qui a trouvé Dieu, qu'a-t-il perdu? Et celui qui a perdu Dieu, qu'a-t-il trouvé? C'est la seule vraie richesse. C'est d'être en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis c'est aussi le lien avec les hommes. Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé. Même la moindre action qui peut nous être profitable, il nous l'a indiqué. Par exemple, il nous dit, ne méprise rien des bonnes actions quand ce serait même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant, avec un visage avenant. Le sourire que je porte à mon frère, c'est quelques secondes. C'est rien, je ne vais pas lui sourire constamment pendant une demi-heure. Hein, on se salue, on se sourit un peu, mais je lui fais un sourire. Et j'obéis en cela au messager de Dieu. Et j'adopte une éthique, un comportement que m'enseigne l'islam. Eh bien, c'est quelques secondes, mais la récompense du sourire, elle est éternelle. Les heures qui passent, encore une fois, passent et finissent. Mais je vais habiter, je vais faire en sorte que ces heures soient habitées d'un lien avec l'éternel qui en font quelque chose d'éternel. Non pas par elles-mêmes puisqu'elles passent, mais par la récompense qui me sera donnée dans l'au-delà. Voilà le secret de la vie, du temps qui passe. Dieu nous a créés pour cela, pour saisir encore une fois ces occasions. Donc voilà quelques éléments que je voulais vous donner en guise d'introduction sur le sujet du dhikr. Les mardis soirs, on a des rencontres autour du commentaire du Coran. Vous êtes invités à y participer, c'est les mardis à 20h. Mais je vais consacrer un mardi à un séminaire autour de ce petit livret. On apportera des exemplaires et puis on l'abordera. Donc il s'agit de Al-Ma'thurat. On va l'aborder de façon plus direct, en regardant un peu comment est-ce qu'on peut pratiquer le jour, matin et soir, quel doit être notre rapport avec le Coran, les avkars que l'on dit à diverses occasions, et avec cette volonté des uns et des autres de nous rapprocher d'Allah, de vivre selon ce secret, le lien avec Allah, tout l'islam est là, et quand on va se lier à Allah, de faire en sorte d'appeler les autres à vivre selon cette conception de vie qui est la plus profonde qui soit. Bien entendu, il y a des obstacles à tout cela. Les obstacles à tout cela, ce sont les tentations de la vie,
Ce sont les distractions lorsqu'elles sont futiles et illicites. C'est le shaitan. On a des ennemis autour de nous. Notre premier ennemi, c'est le nafs, c'est l'ego. Ton ego, c'est ton ennemi qui te pousse à suivre d'autres voies, qui te montre quel est le chemin de l'oubli, qui fait que tu t'enfonces dans le non-sens, l'absurdité pour des choses qui sont futiles. Le shaitan qui tourne pour te distraire, pour te séduire, et tout ce par quoi tu es séduit, remarque que cela appartient au monde de l'éphémère. L'homme, il dispose de deux types de vues. Les yeux de la tête qu'on appelle el-basar, et les yeux du cœur qu'on appelle el-basira. On peut traduire cela par la clairvoyance, la vue du cœur. Avec les yeux de la tête, je vois ce qui me fascine dans l'univers, les beautés du monde. Et un homme peut être fasciné par la beauté d'un être humain ou bien de quelque chose qui est éclatant et qui va attirer sa passion et son désir. Et il peut tomber dans le piège que cela représente. Parce qu'il ne voit qu'avec les yeux de la tête. Mais s'il voyait avec les yeux du cœur, il verrait que derrière les apparences, il y a une autre réalité. Derrière la beauté, il y a la beauté qui se fane avec le temps. Derrière la beauté, le fait d'être tenté de tomber dans le piège, il y a ce qui suivra, c'est-à-dire les regrets, c'est-à-dire une vie où je porterai le regret d'avoir commis telle ou telle mauvaise action. Derrière la richesse, il y a la pauvreté. Derrière la vie, il y a la mort. Derrière n'importe quelle joie de cette existence, il y a un revers. Comment est-ce que je le vois avec les yeux du cœur? Donc si les yeux de la tête m'invitent à aller dans le sens de la rafla, de l'inconscience, les yeux du cœur me rattachent au dhikr, au rappel, et je me rappelle, et je fais attention, et je me lie à Dieu, et je m'écarte de ces voies qui sont des impasses, qui sont sans issue. La vie qu'on nous propose aujourd'hui, quand on a fini le travail, on se plante devant la télévision, devant les réseaux sociaux, on regarde des choses, finalement, au terme de la journée ou de la soirée qu'on passe devant ces futilités, zéro, il n'y a rien. On peut se distraire avec ces moyens dans les choses qui sont licites. Mais en dehors de cela, il faut complètement éviter. La distraction peut même faire partie du zikr. Si je me distrais des choses qui me permettent justement de prendre des voies différentes, et cette distraction me permet, moi, de cette façon-là, eh bien, de pouvoir me reposer pour revenir. Par exemple, je vais me reposer pour revenir, me lever la nuit pour faire la prière, ou je prends un temps de repos, de distraction, pour pouvoir me concentrer à nouveau dans les choses qui sont utiles. C'est une question d'équilibre. Et là aussi, on peut dire, on l'a déjà dit, que le bonheur, c'est une question d'équilibre entre les choses de la vie et les choses de l'au-delà, comme vous le savez très bien. Je vais m'arrêter là. Wa jazakumullahu khayra. ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب